Vraiment bien le parcours. Il y a de tout. Oh non, une côte. Bon, je marche. Putain, il y a des descentes là. On arrive en haut de la côte. Enfin. Bravo. Bravo, bravo. Merci beaucoup. Super course. Merci. Et hey, salut tout le monde, aujourd'hui on est le 19 février et je suis à Gambais pour la trace des Wolfs. Alors c'est une course où il y a deux distances, il y a le 13 km, je participe au 13, il y a le 21 km, Emilia participera au 21 km. C'est dans le 78 à côté de Houdan, c'est la première édition et pour l'instant tout est super bien organisé. On va continuer, on va voir ça et puis on se retrouve sur la ligne de départ. Là ça se joue. Allez, 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 allez! Allez, Emilia! Allez, c'est parti! Le tracé des Wolfs! Ou le tracé des Wolfs, je sais pas trop comment on dit. On y va et puis je vous emmène sur la course! Ah, génial, à peine 200 mètres qu'on est déjà dans les bois. Allez. Une course nature. Allez, premier kilomètre, 6 minutes 09 au kilomètre. Trop rapide. On va baisser un peu là parce qu'il y a une côte en face. Donc voilà, on va en profiter pour marcher. Chut. Bon, une longue côte. Oh. Ah non, je vais pas marcher quand même. Personne marche. J'aurais l'air de quoi moi si je me mettais à marcher. En plus, le cerf-fil, il est pas loin derrière non plus. Mon but, c'est quand même d'essayer de pas le voir. Bon, après, si je le vois, c'est pas grave. On parlera, on tapera la discussion. Ils sont toujours sympas, les cerf-fils. Allez, on va continuer. Allez, en haut de la côte. Oh. Oh, j'y suis allé trop vite. Oh. Allez, on va essayer de récupérer dans la descente. Oh. Allez, on va essayer de gérer la course du mieux possible. Bon, pour l'instant, c'est pas ça, mais bon, on a encore 11 bornes à peu près. 11-12 bornes pour gérer ça, ça va le faire. On va continuer. Merci. Merci beaucoup. Il y a des bénévoles partout. Ça c'est vraiment agréable. Je crois qu'on peut pas se perdre. Allez, maintenant on redescend un peu. On a fait que de grimper. Oh, grimper. On se comprend quoi. Ça va monter un tout petit peu, ça va faire du bien de redescendre un peu. Le coq, on voit vraiment qu'on est dans les Yvelines, hein. Avec ces grandes maisons là, ces belles maisons. Ça marche devant. Je marche ou pas? Non, on va continuer en courant. Bon allez, je pense au niveau gestion de course, c'est pas ça du tout. Allez, ça redescend. Ça fait que de monter et descendre. C'est jamais gros, mais suffisamment pour moi quoi. Mais bon, ça va aller. On continue. Et on va essayer de se décontracter un peu. Allez. Bon allez, ça y est, j'ai pas pu résister. Je marche. Je pouvais plus courir là. Si je pouvais encore courir, mais ça monte et bah je marche. Voilà. Allez. Bon, je marche vite quand même. Hein. Mais je marche.
Bon, allez, on arrive à 6,5 km et on arrive en haut de la côte. Enfin. Oh, franchement, bon, je sais pas si vous voyez, mais il n'y a pas grand monde derrière. Mais j'ai pas encore vu le Serfil. Donc ça, c'est bien. Allez. Allez, maintenant, en pleine forêt. Sur la route. Ça fait du bien. Ça permet de reprendre un peu la course. Le cardio redescend. Et normalement, là, on est au plus haut. Donc maintenant, après, on va descendre. Allez, on continue. Bon, allez, nous revoilà dans les sous-bois. Et c'est bien. Elle est sympa, cette course. Il y a plusieurs... Il y a différents types de parcours. C'est bien, ça. Pour ceux qui commencent, pour ceux qui se mettent au sport, c'est super bien. C'est pas monotone. 12-13 km, bah, ça suit quand même. Même si tu marches à la fin, c'est pas très bien. C'est pas très grave. Hein. Et t'y vas. Allez. Allez, maintenant ça descend. Putain, il y a des descentes là. Il y a des marches de malades. Bon, alors comme je vous l'ai dit, niveau gestion course, je suis à la ramasse. C'est pas possible, je vais trop vite. Je vais trop vite. J'arrive à tenir, mais je vais trop vite. C'est pas possible. Mais bon, on va continuer et puis on va bien voir ce que ça donne, mais je vais trop vite. Oh non, une côte. Oh, je marche. Oh, c'est bon, je marche. Petite course, mais... comme elle est assez roulante, bah t'avances. Et puis, donc tu marches pas beaucoup. Et dès que tu as la moindre côte, bah, t'en chuis. Allez, on va continuer. Bon, peut-être qu'Emilien va me doubler. Puisque lui, il est sur le 21. Et bravo, mon grand. Parce que se lancer sur un 21 km, comme ça. Chapeau, hein. Je pense que ta prépa pour l'ultramarin est bien parti. Allez, on va continuer. Vraiment bien le parcours. Il y a de tout. Route, chemin single. Et vraiment bien. Hein. Ouh, on s'amuse. On s'amuse. Franchement, je m'amuse. Même si la gestion elle est pas là, je m'amuse. Allez, on continue. Ah, petit passage avec un pont. Là. Ah ouais, c'est pour éviter de passer dans la flotte. Bon, c'est là qu'il faut pas lâcher. Hein. Il me reste 1 km à peu près. C'est là qu'il faut pas que je lâche. Et c'est souvent là que j'ai une fracture du mental. C'est souvent dans ces moments-là où je me dis, allez, je marche. Mais non, je sais qu'il va y avoir une petite côte. Là, je vais me mettre à marcher. Mais là, non, non. Là, je continue et j'insiste. Gestion de course, 0 sur 20. Mais bon, on s'amuse. Allez. Bon, allez. On retourne avec le passage en forêt.
Bon, c'est là que ça monte un peu là. Non, ça monte. Hein, un petit peu quand même. Non, pas trop, pas trop. Oh, ça va. Allez. Bon, il y a vraiment des bénévoles partout et ça c'est vraiment bien. Franchement, il y a tout le temps du monde sur le parcours. Impossible de se perdre. Allez, on continue. Puis je voudrais remercier William et toute l'équipe pour le dossard. Merci beaucoup. Et votre première édition, elle est vraiment bien. Ben moi, je l'aime bien. En tout cas, c'est roulant. Bon, allez, ça y est, on arrive à la fin. Dernier passage en forêt. On fait le retour. Allez, merci. Allez, on fait le tour du parking. Et après, ravito. Bon, allez, on arrive à la fin. Le trail des wolves ou des wolves. À vous de me dire dans les commentaires. C'est fini. Un peu plus de 13 bornes. Et si moi j'y arrive, franchement, vous pouvez le faire. Hein. Donc allez-y, on y va. Allez, c'est bon, on y arrive. Allez, ça y est, c'est bon. C'est la première du top. Bravo. Génial. Bon. Il est là. C'est fini. C'est fini. Là. Bravo. Bonjour. Bravo. Merci beaucoup. Super course. Merci. Ça y est, c'est fini. Et ben voilà, une jolie médaille. Franchement, cette course, elle est vraiment bien. C'est la première édition et tout est bien. Franchement, tout est bien. Attendez, je reprends un peu mon souffle là. Non, franchement, tout est bien. Le départ sur le parking, c'est bien. Tout de suite après, on attaque dans les bois. Après, c'est des passages. Il y a de la route, il y a des chemins roulants, il y a des chemins forestiers, il y a des singles, franchement c'est bien. Et puis en plus c'est pas de nuit, c'est encore mieux, il y a des beaux petits paysages à voir. Et ouais, une course que je vais garder dans mon planning pour l'année prochaine parce que je l'aime beaucoup. Bon, j'espère qu'Emilien tout s'est bien passé pour ses 21 km, je vais l'attendre. Et franchement, si vous avez aimé cette course, n'hésitez pas à venir ici l'année prochaine. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner, bien sûr. Allez, on se retrouve normalement dans 15 jours. Salut !